suis au bout là. J'ai pas bu depuis des heures et des heures. Il fait super chaud. J'ai plus d'eau. Et la prochaine rivière est dans une heure. Ah mais j'en peux plus. Je sais plus. Ah, je viens d'en haut tout à l'heure. Je remontais toute la crête. Pas une seule goutte d'eau là. Oh putain, mais je suis claqué. J'ai plus de force. Ah. Je pensais pas que ça allait être aussi long aujourd'hui. Attends, c'est marrant ça. Oh bah décidément, la Bosnie aurait été cette grand-mère perchée là-bas. Cette grand-mère. Il y a un village à 4 km et la voilà en mode méditation sur son pan de rocher. Elle est magnifique. Ouais. Excellente. Bon, bah, ça m'a redonné des forces en fait, cette petite apparition. Ouais, des fois on a des forces pour monter ça. Attends, mais t'es sûr que c'est bon? Ah non, il y a un chemin qui est là. Moi je vais tout là-bas. Oh, j'ai encore 3 km à vol d'oiseau. Ah ouais, j'en ai pour une heure et demie, deux heures peut-être. Allez. Oh, mais cette journée de fou. En fait, ça fait une semaine que c'est des journées de fou. Ah, j'aime bien, c'est cool. Ça fait du bien de temps en temps. Mais c'est dur. Mais là, je crève de soif. Oh, mais j'ai des fantasmes de thé glacé, là, de... Oh, de sirop de... Oh, de sirop de grenadine avec des petits glaçons. Ou... Oh, du sirop de citron, là. Un jus de citron pressé ou avec... Oh, oh là là. Oh putain, ou une source d'eau claire. Une petite rivière d'oasis, ça passerait bien. Ouais, mais bon, c'est cool, il y a un petit vent frais. J'arrive, ouais, dans une heure et demie, une rivière. Je campe dans moins de deux heures. La nature est belle, il fait beau, les belles montagnes. Oh, mais je suis quand même trop fatigué. Le moins de dénivelé positif, mais ça m'arrache un effort. Ah, moi j'étais tout là-bas, tout à l'heure, derrière la montagne et derrière la montagne qu'on voit derrière. Mais je pensais vraiment pas que ça allait mettre aussi longtemps. En fait, les sentiers c'était tout ça à moitié effacé. Du coup, c'était de la broussaille, c'était de la forêt, c'était des dénivelés à fond. Marcher à flanc de montagne avec une grosse pente aiguë, ça fait mal. Mais bon, il y a des beaux paysages, mais j'étais vraiment fatigué. Peut-être que demain je vais me poser un lac pendant une journée. Le truc, c'est que j'ai plus beaucoup de nourriture. Il me reste pour peut-être 3 jours en rationnant. Ouais, je suis à 2 jours et demi de marche du prochain village où je pourrais me ravitailler. 3 jours peut-être. C'est de la grosse, grosse montagne. Enfin. Pour les Alpes dinariques, hein, bien sûr, ça dépasse pas les 2400. Et ouais, du coup, ça va être gros effort demain. Ça va être au moins 1200 mètres de dénivelé dès le début. Ouais. En positif, bien sûr. Et ouais, je me sens pas capable là, mais. Enfin, je dis ça parce que je pète de soif. J'ai faim comme pas possible. Et je suis fatigué de la journée. Demain matin, en me réveillant, ça ira mieux. Après un bon petit thé. Oh, j'ai du chocolat chaud. Oh, j'ai du chocolat, ouais. Oh, ouais.
Oh, mais je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Oh, il me reste tout ça. Oh là là. Moi je vais. Attends, alors moi je vais où? Derrière, et je vais derrière après. Je voulais atteindre un lac ce soir. Mais il est encore au moins à 3 heures de marche. Je me sens pas. Ah, ça ferait du bien pourtant. Mais bon, allez. Dépêchons. Plus vite ce sera marché, plus tout sera fini. Des petits villages de temps en temps que je vois, mais c'est tellement isolé. J'aurais pu demander de l'eau, mais bon, c'est des détours de plusieurs kilomètres. Mais oh, mais c'est paumé. J'ai jamais rarement vu une région de pays aussi paumée, même en Albanie. Hein. Ouais. Oh, c'est des petits villages. Ah, les maisons, elles sont vraiment. C'est tellement typique de la Bosnie en fait. Ils font quoi pour les revêtements de murs ou les toitures? Ils prennent des gros bidons de 100 litres ou 200 litres et je sais pas, ils les éclatent à coups de masse ou je sais pas quoi, ils les aplatissent. Et en gros, ça fait une bonne grosse tôle qui fixe tout et plusieurs comme ça. Ah, ça fait vraiment un style vraiment unique. Enfin. Allez, j'arrête de parler parce que j'ai encore plus soif. Oh ouais, un oasis. Oh non, oh une glace. Oh une glace. Oh, une glace. Oh ouais. Oh non, un jus de fruits pressé. Ou une salade de fruits avec un petit panaché. Non, 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 c'est nul le panaché. Oh, un bon jus d'orange pressé. Ouais, une salade de fruits. Et au dessert. Une petite glace. Oh, une glace à la myrtille. Ah ouais. Oh putain. Oh, j'en suis bien loin de tout ça. Tout ce que je vais avoir ce soir, c'est 200 grammes de pâtes aux oignons. Parce que j'ai perdu mon ail. Je ne le retrouve plus. Donc, pâtes aux oignons avec un peu de sel et de poivre. Et de l'eau fraîche. Et si j'ai la motive, je pourrais me faire un bon thé. Non, t'es chaud. J'attendrai qu'il refroidisse. Non, c'est un peu débile ça. Oh là là. Oh, mais je suis délire là. Allez, c'est reparti. C'est parti.